dernière vidéo consacrée aux nombres et chiffres, nombres sacrés, chiffres magiques, nous allons parler donc des carrés magiques, les fameux carrés magiques qui sont la base de l'ésotérisme. Vous avez compris que dans le symbole, il y a des nombres, que chaque figure géométrique représente des nombres. Et derrière, la représentation et l'utilisation de certains nombres va permettre d'opérer des forces. D'ailleurs, Nikola Tesla disait au XXe siècle, sous une autre forme, « Qui veut comprendre le secret de l'univers doit réfléchir en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. » Et il était le fervent admirateur des chiffres 3, 6 et 9. Nikola Tesla faisait trois fois le tour de sa maison avant de rentrer chez lui. Il se servait trois fois d'eau avant de boire. Il faisait tout en 3, en 6, en 9, et c'est encore un triangle équilatéral magnifique. Alors là, nous allons voir ce qui sert dans la construction de pentacles, de talismans magiques. Et vous avez un carré très célèbre dont je parlerai dans une vidéo à part, le fameux carré des Templiers, le fameux carré Rotas. Rotas, Sator, Tenet, Opéra, Arepo. Et là, vous avez encore un équilibre des forces. Plus proche de nous, l'utilisation des carrés de Saturne, avec la somme des nombres qui forment toujours 15. Vous allez retrouver 15, en fait, dans le pentagramme. Là, c'est juste une initiation pour vous permettre d'ouvrir l'esprit. Mais d'ici quelques mois, j'irai un petit peu plus loin pour vous expliquer comment les fréquences agissent à travers ces symboles. Alors, le premier carré magique, le plus intéressant, c'est le carré de Saturne, avec les chiffres 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6. Et si vous regardez, eh bien en fait, l'addition de chaque ligne ou de chaque rangée fait toujours le chiffre 15. Chaque colonne, chaque ligne, chaque diagonale procède trois nombres et ces trois nombres font la somme constante de 15. Alors nous pouvons voir un autre carré magique célèbre qui est celui qui fait une constante de carré de 34, et ce carré pair d'ordre 4 est le carré de Jupiter. Alors toute cette harmonie qui est représentée dans ces carrés correspond en fait à des forces ou des fréquences que nous verrons dans une autre vidéo. Goethe lui-même, dans Faust, disait que les carrés magiques ont des vertus magiques de rendre efficaces les filtres en tout genre, dont celui du rajeunissement. Nous n'irons pas jusque-là. Nous avons vu dans le carré de Saturne que la somme des nombres donnait le chiffre 15. Et si nous mettons le nombre 15 au milieu d'un pentagramme et que nous retrouvons ainsi donc le sceau de Salomon, eh bien nous apercevons que chaque nombre qui constitue les étoiles de ce pentagramme forme aussi la somme de 15. Plus proche de nous, Grabovoi utilise des séquences de nombres. Il y a 60 ans, les frères Sevranx avaient identifié des nombres grâce à la radiesthésie. Et puis, un appareil quantique que j'utilise, le ILI, reprend aussi des séquences de chiffres. En fait, tout ce que je suis en train de vous expliquer depuis ces vidéos de cette série permettent de comprendre les fréquences magiques, les pouvoirs incroyables des fréquences, des énergies et des vibrations, comme parlait Nikola Tesla. Et on le retrouve aujourd'hui dans des algorithmes d'appareils de plus en plus pointus, qui nous amène vraiment à révolutionner le monde de la vibration et le monde de la thérapie fréquentielle. Nous ouvrons le champ à des expériences incroyables qui vont permettre de rééquilibrer nos cellules, nos différents corps, nos chakras et bien d'autres choses encore.